Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait pour les protections des canons. Alors j'ai pris des gants comme cela. Voilà, ce sont des gants classiques, hein, transparents. C'est ce qu'on sert pour la cuisine, des trucs comme ça. Je prends le petit doigt. Le pouce, hop, je prends le petit doigt, je prends sur 3 cm. Alors quand on regarde, ça c'est ce que j'avais déjà fait, voilà, en gros c'est ça. Alors je prends 3 cm, je mesure 3 cm, donc le bout est 1, 2, 3. Un petit carré sur la plaque à découpe, c'est 1 cm. Je prends et je coupe. Hop. Voilà. J'en fais un. Bon, après les gants, ça prend une mitaine. Et je fais pareil pour le deuxième. Donc 3 cm et je coupe, voilà. Voilà. Ensuite, donc je prends moteur et support de fût. Je viens, donc ici, voilà. Je viens. J'essaye de bien me centrer. Pas bien là, vous n'êtes pas. Attendez, je vais essayer. Voilà. Donc, support de fût, voilà. Je vais me mettre dedans. J'essaye d'avoir le bout. Je l'écarte un peu, voilà. J'essaie de bien le centrer. Je tire un peu vers l'arrière, je le maintiens. Et ici, sans forcer, il ne faut pas, surtout pas le passer à travers. Je le fais avec ça, pour percer juste un petit trou, ou on peut faire avec la pointe de ça. Voilà, cette pointe. Alors, juste à peine percé. Voilà, juste une petite fente. Je prends mon fût, mon canon, et je viens doucement le glisser dedans. Je colle pas. Voilà, en gros, voilà le truc. Et je fais pareil de l'autre côté. Je fais. J'essaie de bien centrer par rapport au doigt. Je viens le tendre un peu. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà. Je prends donc mon petit cutter, juste une petite entaille. Hop, c'est tout. Et je viens mettre mon fût, mon canon. Voilà, doucement, on le tourne légèrement, faut surtout pas forcer. Voilà, et toujours pas de colle. Alors, après, là, ici, on a les tétons de basculement. Donc, ce que je fais, je prends, je me mets légèrement comme ça, et je viens entailler légèrement pour pas gêner. Voilà. On l'ouvre un peu, faut pas chercher, après on peut le faire de l'intérieur. Il faudrait peut-être que je change ma lame. Bon.
va faire pareil un peu de l'autre côté. Voilà, le téton il est là. Et on vient à peu près juste au niveau du téton, faut pas être trop loin, pas trop loin par là. Après je reprends mon dessus de tourelle et je viens les enquiller dedans. Doucement. Voilà. Tout doucement. Faut pas forcer. Hop. Voilà. Je viens positionner donc. En tourelle, celui-là je sais pas si on va bien le voir, il est dedans. Je fais pareil à l'autre, alors ici par contre il me gêne encore. Alors, ce que je vais faire, voilà. Voilà, là je suis dessus. Et après, pour donner une plus belle forme, je viens juste les tirer. Comme ça. Voilà. Voilà, ici. Tout simple, c'est pas, il n'y a rien de compliqué. J'essaie de lui donner une belle petite forme. Voilà. Après, je viens refermer. Alors, je referme. Voilà. Hop. On va bien monter. Mon tournevis, il ne monte plus. Je devrais investir pour des tournevis. Ça, je vous le conseille, un tournevis aimanté, il n'y a rien de tel parce qu'il y a beaucoup de petites vis. Voilà. J'en avais un bon, mais j'ai cassé. La pointe a cassé. Alors celui-là, il fonctionne encore.
Hop. Là, vous voyez peut-être une lumière bouger. C'est parce que j'ai mes lunettes. Loupe. Et avec la petite lumière au-dessus, une petite LED. C'est bien pratique. Voilà. Et la dernière. Et après, je vais vous faire un essai pour vous montrer que ça ne gêne en rien. Ah, voilà. Alors, là, dans ce sens-là déjà. Vous voyez, alors si vous sentez qu'il y a un peu, pas qu'un peu, faut juste, vous faites ça, de toute façon c'est juste là sur le bord. Alors, comme là j'ai tiré dessus, je pense que là, voilà. Là, vous voyez ça, je tire dessus, ça le remet en plus en forme. Voilà. Hop, là. Après, on va faire un essai. Voilà. Hop. Et là. Oui. Ça ne gêne en rien. Voilà comment c'est derrière. Voilà. Et voilà. Alors, pour terminer. De la peinture à maquette blanche comme ça, c'est blanc mat, et le petit pinceau avec lequel je vais mettre blanc comme ça, juste bien en essayant d'aller mieux que je peux partout en blanc mat. Voilà, merci à tous et à bientôt avec le numéro 12.